Coucou les amis, eh bien me revoilà. Bah écoutez, cette fois-ci, j'attends pas 6 mois avant de refaire une vidéo. Je viens de faire une toute petite récolte en dehors de mon jardin. J'ai un parking, entre guillemets, c'est un petit jardin, on va dire, avec du gravier qui appartient à la copropriété, qui appartient au garage. Il y a 2 garages. Et donc moi j'ai accès pédestre par là, et comme c'était tout en friche et à l'abandon, donc j'ai un peu, comment dire, nettoyé et tout, et du coup j'ai mis des grands pots que j'avais ici à l'intérieur, j'ai mis des grands pots, et j'ai cultivé des tomates cerises parce que mes petits adorent les tomates cerises et les pommes de terre. Chaque fois que j'ai des pommes de terre qui germent, je les mets dans la terre. Et aujourd'hui, mon petit-fils a ramassé les tomates. Bon, ça fait déjà au moins 3-4 fois que je les ramasse. Donc là, c'est presque les dernières, on va dire. Il en restera un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, je voulais vous montrer les tomates. C'est lui. On a planté 4 pieds de tomates cerises, de différentes, des petites longues, des rondes. Voilà. Il a planté, puisque c'est lui qui les a plantées. Et je peux vous dire que quand je suis revenue de vacances, j'en ai récolté, c'est simple, 1,2 kg. Et là, il vient de ramasser les dernières que je vais vous montrer. Si j'arrive à tourner la caméra, eh bien non, je n'y arrive pas. Super. Ben, pourquoi j'y arrive pas? Oh purée, mais c'est pas vrai. Alors moi, je suis vraiment douée, c'est un truc de fou. Bon, ben, je vais tourner la caméra. Ah, mais non, mais je vais pas voir ce que je filme. Bon, ben, écoutez, je sais pas comment faire. Voilà, bon, ben, écoutez, je vous montre comme ça. Voilà les tomates. Et voilà les pommes de terre. Vous les voyez? Ouais, voilà. Les pommes de terre, ben là, c'est simple, il y a 1,5 kg. Alors, il y a des petites grenailles, puisque elles sont toutes petites. Et puis, il y en a vraiment des très grosses, comme par exemple celle-là. Ou celle-là. Celle-là, elle est bien lourde. Voilà. Donc, voilà ce que je viens de récolter. Tout simplement, vous avez un pot, n'importe quoi, un pot, mais n'importe, un peu profond bien sûr, puisque les pommes de terre, elles aiment bien aller dans le fond, enfin d'être dans la terre et tout, bien entendu. Mais pourquoi ils marquent verrouillage à eux? C'est quoi ça? Bon, écoutez, je ne sais même pas si ça va marcher ou pas, c'est n'importe quoi. Oh là là, je suis nulle. Voilà. Donc, du coup, c'était pour vous montrer ça. Si vous avez tout ça pour vous dire que si vous avez des pommes de terre qui germent, ne les jetez pas. Vous avez un grand pot. Si vous avez les grandes jardinières là, ben voilà, ben vous mettez ça là dedans. Là maintenant, j'ai laissé des toutes petites parce que ben elles vont refaire, bien entendu. Vous en laissez quelques petites et l'année prochaine j'aurai de nouveau des pommes de terre. Quand j'ai des pommes de terre qui germent, moi je mets tout dans la terre. Et maintenant, avant on pouvait pas le faire parce que en fait, pour éviter que les pommes de terre elles germent quand vous les achetez, eh bien ils mettaient un produit dessus. C'est un jardinier qui m'avait dit ça. Maintenant, ils ne le font plus. Donc, pour notre grande chance, eh bien, du coup, on peut planter dès qu'elles germent, on peut les planter et on se retrouve avec plein de bébés pommes de terre. Voilà, bah, c'était le conseil du jour. Voilà, voyez, vous vous plaignez que vous ne me voyez pas. Ben là, aujourd'hui, bam, vous me voyez. Tout ça pour vous montrer. Et ce soir, je vais faire une nouvelle recette. Je vais faire des gaufres parce que je me suis acheté un petit gaufrier à 20 €, un truc comme ça. Et je vais faire ce soir des gaufres à la pomme de terre. Donc, tout simple, il faut faire une purée de pommes. Enfin, il faut écraser de la pomme de terre, mettre de la farine. Après, les proportions, il faut regarder sur Internet. Pour 450 g de pommes de terre, je crois qu'il faut 150 g de farine. Un peu comme quand on fait les gnocchi ou un truc comme ça. De la farine, un demi-sachet de levure, 2 œufs et des petits, si vous aimez ou pas, des petits, des lardons. Des petits lardons. Voilà, et vous faites une pâte et vous mettez ça dans le gaufrier. Et vous faites des petites gaufres avec, ce soir, ça sera jambon pour les enfants avec les petites gaufres
en purée, enfin à la pomme de terre. Et voilà, le tour est joué. Et demain, je vous dirai, j'ai un apéritif. J'ai invité mon cousin du Canada, donc je fais un apéritif. Alors je vais faire des farcis. Je ne sais pas si je vais pouvoir me filmer parce qu'il fait vraiment super chaud et tout. Les farcis, c'est super long à faire. Donc, enfin, c'est pas difficile du tout, c'est hyper facile, mais en même temps, c'est super long. Ah oui, et puis là, alors je vais faire des farcis et là, je suis en train au barbecue. Voilà. J'ai pris des poivrons rouges, comme ça. Donc, vous les faites griller hein, pour que la peau, elle cuise. Oh, c'est compliqué quand... attendez, j'ai qu'une main. Voilà. Vous faites bien griller, comme ça. Hop, oh là là. Comment je filme hein. Vous voyez, la peau, elle va se décoller. Dès que c'est fini, dès que c'est bien grillé dans tous les sens, vous mettez vite dans un sac plastique. Vous laissez refroidir. Après, la peau s'enlève toute seule. Vous enlevez la peau. Ça va faire des petits lambeaux de poivron rouge. Et vous mettez ça dans un plat. Vous mettez juste de l'huile, un peu d'huile. Un peu. Bon, moi, j'aime pas trop avec l'huile d'olive. Je préfère avec l'huile que vous aimez, tournesol, arachide. Enfin, vous mettez l'huile que vous voulez. Et moi, j'aime sans trop. Vous mettez de l'huile, vous mettez bien de l'ail et du sel. Et basta. Et vous mettez ça au frigidaire. Il faut servir bien frais et vous mangez ça sur des tartines. Voilà, ça s'appelle des poivrons à l'huile, tout simplement. C'est très, très facile à faire. Et c'est vraiment... Je ne sais pas si c'est une spécialité d'ici ou pas. Hein, je ne peux pas vous dire. Moi, ma mère, elle en a toujours fait. Donc, voilà. Vous les passez au four. Bon, moi, je les ai mis au barbecue parce qu'il fait trop chaud dedans pour allumer le four et tout. Barbecue, four, peu importe, même à la poêle. Hein, vous faites bien, bien, bien. N'ayez pas peur. Hein. Moi, j'aime quand c'est bien, bien cuit parce que la peau, elle reste plus fine du coup. Elle reste pas trop, trop épaisse et un peu dure. Moi, j'aime bien quand ça fond. Donc, je les laisse bien, bien cuire. Pour pouvoir les éplucher facilement, vous enlevez la peau. Vous mettez dans un sac plastique, vous laissez refroidir. Quand ça refroidit, vous enlevez la peau et vous faites des petits filets. Alors, il y en a aussi qui mettent des anchois. Ça, c'est particulier. Je sais que mon cousin, il détestera ça, ma fille aussi et tout. Et après, vous faites des petites tartines avec ça. Oh, moi, j'en fais rarement parce que sinon, je me mange tout et j'adore ça. J'adore ça. Après, vous pouvez mettre dans les salades, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Mais en tous les cas, ça, les poivrons à l'huile, l'été, c'est la folie. Donc, demain, ce sera poivrons à l'huile, farci, les gaufres, si c'est bon, les gaufres aux pommes de terre. Et j'ai des courgettes italiennes ou niçoises, les belles petites courgettes. Et je vais faire aussi des gaufres aux courgettes. Et voilà, et ça fera un petit apéritif dînatoire. Je vous prendrai la photo pour celles qui sont... Même mes poivrons à l'huile, je vous prendrai la photo pour celles qui sont sur... comment ça s'appelle ? Sur Facebook, sur mon groupe. Voilà mes amours. Eh bien, écoutez, une petite vidéo de 10 minutes pour vous dire que je vous aime à la folie, que vous êtes mes meilleures copines du monde. Et que ben, j'espère que la communauté va continuer à s'agrandir. Si vous aimez, surtout, n'oubliez pas de mettre un petit pouce hein, et vos commentaires, bien sûr, parce que j'adore vos commentaires. Voilà, je vous aime très fort. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez qui sont autour de vous. À bientôt.